Alors, donc deuxième partie. Alors, on a vu plein de choses en première partie de cette découverte de Paragon. On a vu un petit peu l'interface, le système monétaire du jeu. On a vu les premières bases du gameplay. On a testé un personnage. Je pense qu'on va retester pour voir ce que ça donne quand on arrive à être... Eh bien, un petit peu plus à l'aise avec le jeu. On a vu les boosts, etc. On a vu le profil, on a vu des trucs, c'était formidable. Oui. Oui, exactement. Exactement, Agoué qui fête son premier anniversaire sur Azerator Télévision. Merci à toi. Bienvenue sur Azerator TV. On va peut-être tester un autre personnage maintenant qu'on sait quoi level up. Non, j'ai dit, on va faire le même. On va peut-être refaire. En fait, moi, il me faudrait un autre mage. Héros recommandé pour démarrer. Ah, ils ont des petites étoiles. Ah oui. Donc, en gros, Murdoch. Héros recommandé pour démarrer, Sparrow. Recommandé pour démarrer, attaque de base très forte. Pas mal ce jeu, très joli. Sinon, go faire un MOBA sur Magic the Gathering avec la flopée de personnages qu'il y a, il ne devrait pas y avoir de mal. Bah, CrossMarion89, envoie-leur un mail et je pense qu'ils le feront. Et voilà, moi je n'ai pas le budget, voilà. Donc solo contre IA, on reteste. On reteste. Alors est-ce qu'on peut peut-être. Pas encore. On peut pas encore. Quand on sera niveau 2, on ira là-dedans pour voir un petit peu comment ça se passe. Ok. Donc allons-y. Gideon didacticiel. Ah, ça ouvre encore une vidéo. Ah, il faudrait pouvoir les intégrer dans le jeu, ces vidéos. Ce serait vraiment pas mal. Que ça s'ouvre un petit peu. Ça discute. S'abonne à la Azerator Télévision. Salut à toi. Merci beaucoup. Et merci de ton sub. Point, point, point. L'un point. Fais-le, please. Bruit chelou. Mais les gens ne sont pas des jukebox. Si j'étais une soundbox et que tu pouvais cliquer sur moi pour faire un son, ça se saurait, tu vois. Cela dit, étant donné qu'une donation est là pour soutenir un streamer, eh bien, je te remercie pour ton soutien, bruit chelou. Et voilà. Et ça, c'est que ça s'orthographie popopoué, lopoué, lopoué, loup. Voilà. Merci à toi. Bon, on essaye de rejouer. On fait une deuxième game pour voir, cette fois. Et maintenant qu'on a compris à peu près les cartes, d'accord? Emplacement carte 1, emplacement carte 2. Ah oui, on peut faire 1, 2, 3, 4 direct. Ça, c'est bien ça. Canal de l'équipe, mage, déplacement rapide, Alt Z provoqué. Alt Z provoqué! Très bon ça, on peut taunt. C'est la même map? Ah oui, j'imagine que c'est la même map pour l'instant. Hein. Donc 3 lanes, mid, gauche, droite, comme dans les MOBA TPS en général. Alors, deck de mage, évidemment, pas deck d'assassin. On va commencer par un bâton de source classique. Et oui, on a la potion de santé! Évidemment! Ah, potion de santé! Mais là, on peut plus la mettre, je sais pas pourquoi. Ah, parce qu'on n'a pas assez de points, c'est ça? Et là, je peux pas mettre la potion de mana non plus. Voilà, parce qu'on n'a plus rien en fait. Voilà, donc on commence avec ça. Parce qu'on se dit qu'on n'aura pas besoin de potion. Et on va direct sur une lane. Donc on va partir à droite, puisqu'évidemment c'est un mid. De gauche, de droite. On va monter le Q. Donc le A. Et on y va. C'est parti. Alors go, attends-moi. Attendez-moi. Pas de musique dans le jeu, c'est terrible. C'est normal, on fait à la fin. En touchant, pas besoin de last hit, les creeps, et en faisant des kills, tu gagnes de l'ambre qui te donne des points de carte quand tu en récoltes. Si tu last hit, l'ambre va direct sur toi. Sinon, tu last hit pas, elle tombe au sol. D'accord. Ok, donc c'est effectivement l'ambre qui donne des points de carte qui permettent d'aller... Bim! Le first blood, il est pour nous! Voilà, et donc là, si je last hit l'ambre... Ça marche pas. Oh! Tu as trois types de cartes, les cartes objets, ward, popo, etc. Toujours réutilisables avec un bac de base ou cooldown. Les cartes passifs, augmentation de stats. Et tu as les cartes d'augmentation que tu as en haut à gauche, le coût des cartes. En haut à gauche quand je serai dans le menu des cartes, évidemment. Comme René. On y va? Donc là on est niveau 1. Je sais pas où est ma barre d'XP. Ah, elle est en bas de ma vie, je crois, non? Non, c'est la mana, je crois. Où est-ce que je vois quand je vais passer niveau 2? Je crois que c'est derrière ma sale gueule, ici. Juste là. Regardez. Ah, c'est pas dans ce sens-là. Je serais très mauvais pour présenter la météo. Regardez, à chaque fois que je last hit un mob, qu'on n'a pas besoin de last hit visiblement, eh bien, ça monte un petit peu en XP. Oh là, il défonce lui! Boum boum. Boum boum. Non mais ça, c'est insupportable. Alors on va voir si on peut désactiver ça. Couper le son des joueurs, ça déjà, oui, ça c'est évident. Ça c'est évident qu'on le fera. Audio. Non! Gameplay. Je suis sûr qu'on peut l'enlever, c'est pas possible. Vidéo. Commande. Boum boum. Peut-être qu'on pourra le faire plus tard. Sensibilité de la vision. Afficher les IPS. Tu vois, voir. On est à combien d'IPS? 184. Ah ouais, c'est gênant ce bruit. Bon, au moins, on sait vraiment qu'on a plus de vie tout le temps. Là, je suis mort. Et là, je suis mort. Formidable. On n'est pas passé niveau 2, on était à un creep de passer. Est-ce que quand on est mort, on prend de l'XP? Pas du tout. Peut-être, oui. On a 3 points de carte à dépenser. Donc là, soit
Voilà, effectivement. Donc ça y est, j'ai enfin compris. Merci, grâce au donateur. Donc comme vous pouvez le voir, ici, il y a écrit point non dépensé 3. Donc là, on a le coût des cartes, bien sûr. Donc là, vu qu'on a 3, on va plutôt aller chercher une carte passive. Enfin, une carte... Alors ça, c'est quoi, par contre ? Clé de moissonneur se recharge dans la base. Durée de déplacement du moissonneur unique. Ok, donc ça, c'est un... Je comprends pas trop ce que c'est, ça. On va prendre une carte à 3, évidemment. Une carte qui fait des dégâts, qui permet de faire plus de dégâts. Réduction du temps de recharge, très bien. Ou alors on remet un bâton de source, on peut en fait. Mais oui, on peut tout à fait remettre un bâton de source. Mais c'est formidable, mais on va pas mettre ça. On va mettre 7,675. On va mettre un truc qui nous booste de la mana un peu. Un disque chrome ancien. Et donc là visiblement j'ai plus... Ah, j'ai encore un point. Non, j'ai plus de points. Donc là si j'essaie de mettre une potion, en théorie je n'y arriverai pas, voilà. Excellent. On a compris, à peu près. Hein. T'as 60 points maximum. Ouais, non mais ça va, c'est cool. Ça c'est cool. An enemy has been slain. Je vais voir si on pouvait traverser la tour, mais en fait pas du tout, hein. Ça ne marche pas du tout. On continue d'avancer. Allons-y. Hein ? Qu'est-ce qui se passe ? Le moissonneur, c'est pour récolter l'ambre, Zerator, les boules orange au sol. Ah d'accord. Donc le moissonneur, effectivement, c'est pour lastique les ambres et que ça fonctionne, je pense. Là, on récolte des ambres. Blablabla. Donc il faut un moissonneur, j'imagine. Il faut un moissonneur d'ambre pour pouvoir les ramasser. Hein ? Je sais, j'ai level up. On va monter le clic gauche. Clic gauche ! Non, clic droit alors. Ok. Formidable. Ça, je sais pas ce que c'est. C'est moi qui ai fait ça ? Non, c'est pas moi, c'est ça doit être Muriel. C'est pas... Je sais même pas ce que je fais moi-même. C'est pas grave. Bim ! Oh bordel de merde. Alors là, il faut ramasser l'ambre. Et oui, du coup, si on n'a pas le moissonneur, j'ai compris. Si on n'a pas le moissonneur machin, et ben c'est de la merde. Bon, on peut laisser le clic appuyé, on n'est pas obligé de full clic gauche, hein. Oublie pas les upgrades pour tes cartes. J'oublie pas les upgrades pour mes cartes. Après, j'imagine qu'il est plus rentable de d'abord remplir son stock plutôt que d'upgrade. Quoique, ça dépend peut-être. J'en ai aucune idée. Mais comme ça donne, j'imagine la première carte donne plus de stats qu'une amélioration. Voilà, on a augmenté le Q spell. 1 Oh, il a raté. Il est trop loin. Meurs ! La puissance de Gideon ! Oh merde, j'ai marché dans un piège qu'il a posé. Alors ça, c'est toute la difficulté des MOBA en TPS, c'est qu'en fait, bah, s'il y a un mec derrière vous, bah, vous le voyez pas. Et ouais, ça paraît con, mais c'est un élément de gameplay extrêmement important. Parce que ça... Je suis mort. Parce que ça vous surprendra. Je suis mort avant. Je suis mort. Bonsoir, c'est GKH et Darty, un pseudo à la hauteur de vos ambitions. Je vous offre la valeur d'une prise électrique. Tes streams sont toujours au top. Cordialement, un livreur de chez Darty. Pas de problème, GK. Le vigile de Darty, Odysseum Montpellier, me connaît. Celui qui a un peu crâne rasé. C'est trop marrant. Chaque fois que j'y vais, du coup, on se dit bonjour. C'est trop rigolo. Parce que je vais très souvent à Darty. N'importe quoi, pourquoi je dis ça. Pourquoi j'ai pas assez d'ambre? J'aimerais bien un moissonneur du coup, mais du coup j'ai pas assez de points. Alors faut jamais back si on a pas assez de points de cartes. Je suis un peu con. En plus j'en avais bientôt, il me manquait 6 visiblement. Ou alors j'en ai déjà 6. Oh, attendez, je vais passer par là, j'ai jamais vu ce qui s'est passé par là. Alors je sais pas s'il y a une sorte de jungle, mais visiblement. Bon, on a vu des camps assez neutres. Ça, je sais pas ce que c'est non plus. On a vu des camps de neutral mobs, mais je sais pas si. Il y en a au point de pouvoir faire une jungle, visiblement pas. Ce serait comme une sorte de Heroes of the Storm, c'est-à-dire qu'on aurait peut-être des mercenaires. Est-ce qu'on peut les battre ou pas? Ah oui, on peut les battre. Ok. Alors voyons voir ce que ça fait. Les moissonneurs sont dans la jungle, il faut les activer en restant dessus et la carte clé du moissonneur permet de les activer plus vite. Ok. Alors qu'est-ce qui se passe? Alors là, je possède ce point pendant tant de temps. Ok. Très bien, là je pouvais monter que mon E visiblement. Alors les moissonneurs sont dans la jungle. Il faut les activer en restant dessus. Et la carte clé du moissonneur te permet de les activer plus vite. Ok. Oh là là. Mais arrêtez. Arrêtez de me taper. C'est qui lui? Il a l'air trop bien. Holitzer. Il a l'air un bourrin. Oh, bordel de merde. Bordel de merde. Ah. Ok. C'est vrai que mon clic droit. Blop blop. Clic droit permet de faire ça. Comme le chef cuisine rien ce soir, rognon sauce madère. Désolé, je ne sais faire que ça. C'est déjà pas mal. Mec, c'est pas un plat évident, hein. Sauf si tu préachètes tout. Quel cas, c'est moins bien quoi.
Mais c'est pas du tout évident. Je peux être fier. Tiens, oh, j'ai raté. Oh putain. Et donc évidemment, ah, il faut que je ramasse des ambres, bordel. 10, 10, 10, 10, 10, 30, 10, 10. Aïe. J'ai pris un coup de tour dans ma sale gueule. Y a pas des ombres à ramasser. Faut que je fasse majuscule, faut pas oublier. Ça permet d'aller plus vite. Youhou. Non, évidemment, on ne peut pas sauter sur ce truc là. Bordel. Avance. Qu'est-ce que tu en penses de Paragon? Oh bah c'est un peu tôt là. Par contre, non mais honnêtement, là j'ai eu une très très bonne surprise sur le système économique. Après les MOBA TPS, moi je trouve ça hyper chaud quand même. Je trouve ça difficile hein. Mais on fera plutôt un bilan à la fin je pense, c'est mieux. Alors on a l'ultimate, je suis niveau combien d'ailleurs? Je suis niveau 5, alors l'ultimate c'est niveau 5. On a 3 points de carte visiblement. Non dépensé, il y a écrit 3 points de carte. On avait farmé déjà 3 en fait. On va prendre le moissonneur quand même. Voilà un moment que je te suis, et vu que je suis rarement sur Twitch, je profite pour faire un dos, je tiens à te dire que tu es le meilleur. Tu me procures du bonheur, tu me fais rire, reste comme t'es, je t'aime trop. Monsieur Moustache, tant de gentillesse. Merci à toi. Ça fait quoi si on entre là-dedans? Ah, il est isolé! Merci, monsieur Moustache. Oh putain, y a Sparrow et Decker. Eh si, franchement. Si j'arrive à faire mon combo. Mais espèce de con! Putain, il s'est suicidé. C'est beaucoup plus équilibré cette partie, tout le monde meurt. Oh non, le combo! Le combo! Aïe! Alors attendez, attendez. En fait, faudrait faire E, into Q et into R! Ça n'a pas du tout marché. Mais c'est ce qu'il faut faire, on est d'accord. Est-ce que je peux gérer ça pendant que je suis mort? Ah oui, c'est bien. Voilà. Potion de mana et tout. Ça, c'est un saut d'éclair, c'est une ward en fait. On va tenter de voir comment ça marche les wards. J'ai combien de points encore? 1. Bon, bah prenons une potion de, bah, tiens, de santé. Nightlight Tower is under attack. Bon, c'était de la merde. Ce combo sera votre combo. Into, tu avais 200 HP. Non mais oui, j'avais rien. Mais c'est ça le combo. C'est E, Into, Q, Into, R. Mais non, mais c'est bon, je suis trop fort. Souvenez-vous que je suis trop fort. Et que le jeu est simple. Oh voilà, alors le... Alors, j'ai l'ulti. Alors E. Alors E. Je vais faire un E. Attends, attends, tu as des moissonneurs, machin. Attends. Voilà là. Into, Q, Into, R. Oui. Oui. Oui, garde niveau. Il m'a dépop lui. Meurs. Meurs par la puissance des auto-attaques. Adieu. Et il est mort. Ah, il est mort maintenant. Ah non, il est mort maintenant en fait. On sait où, on sait que tu es... Quoi, il a 2 HP. Bon, j'aurais pu Q-spell, mais bon, je voulais pas, j'avais la flemme. Le A, bien sûr, on monte le A. On avait dit qu'on montait le A. Je suis deg. Eh, hey, vous avez vu, lui, il s'appelle Blue Grux. Et du coup, ça fait Blue Grux. Il s'appelle Blue Grux. C'est trop bien, non? Hein? Ouais. On fait avec ce qu'on a. Alors du coup, j'aurais pu prendre ma potion de santé aussi. Je suis un peu con. Mais c'est pas grave. C'est normal, j'ai aucun automatisme. Je suis mauvais. Comme disait Michael Jackson. Alors attendez. Oh, on peut passer par là. Génial. Ça sert à rien, mais ça... Mais ça a l'air super. Est-ce qu'on peut pas glitcher, faire du climbing et tout? Ouais, non. Oh! Oh! Je volais! Y'a Yop23 qui s'abonne à Lazerator TV, salut à toi! Bienvenue! Bienvenue, bienvenue! Sur Lazerator Télévision, merci beaucoup pour ton sub! Merci à toi! Alors, Red Decker! Regardez, regardez, je vais le ganker derrière. Regardez, derrière là, regardez, regardez! Ardzexal s'abonne à Lazerator Télévision, merci beaucoup Ardzexal! Oh putain, regardez ça! Regardez ça! Meurs! Into Q! Into... Merde! Elle escape! Aïe aïe aïe! Oui! Elle me défonce! Vite, une potion de santé! 2! Comment ça marche? Oh, il faut sortir d'ici! Oh! Potion de santé! Comment ça marche? Comment j'utilise ma potion de santé? F2! 2? 2 du pavé numérique? Je ne sais pas. Meurs! Comment on utilise sa potion de santé? Ah non, je vais! C'est bon. Mourez! Ah oui, je récolte des ambres, je vois. Oh putain, je me fais défendre. Attention à la grande flèche, je l'ai vu tout à l'heure. Comment on fait? Je fais 2 et ça marche pas. Ça marche pas le 2.
Ça marche pas le 2, bordel de merde. Ça marche pas. Je peux pas prendre de potion. Spell 2, bah ouais. Ah, spell 2. Faut rebind, c'est mal foutu. Ah ouais. Ah merde. Hein. Attends, je peux monter le l'ulti là. Non. Fardeau. Ah non, c'est trop noir. Je peux monter le clic gauche, c'est bien. Oh, attendez. Mage 2, shift 2. Alors, mage 2. Marche pas. Shift 2. Marche pas. Alt 2. Non, Alt Z, le taunt. Mais non, mais Alt Z, faut que je rebind. Faut rebind, ah, d'accord. Bon, on va rebinder. Attendez, je rebind la potion. Alors, remplacement carte. Non. Si, c'est ça. Ah oui, d'accord. Bon, je suis en train de me faire exploser la gueule. Ah, super, hein. Ça bute des AFK, belle image, belle image. Tu mets que t'es débutant hein, à Paragon, t'arrives, tu veux tester le truc, bam, tu te fais OS. Super, belle image. Merci les développeurs, hein. Super. Non, en vrai, c'est une belle image. En vrai, c'est une belle image parce que il faut que les gens... Faut pas que les gens se disent, le mec est AFK, je vais pas le tuer. Non, non, faut défoncer les mecs. Si t'es AFK, c'est ta faute. Alors du coup, ça coûte combien de l'améliorer? Ça coûte quand même 3. Ah ouais. D'accord, d'accord. Bon, ok. En fait, je faisais une meilleure game quand je comprenais rien aux cartes. Non, mais pas du tout. C'est juste que là, je teste des trucs. Alors, on a une war. Cuny Warrior s'abonne à la Zerator Télévision. Merci à toi, Cuny Warrior. Merci pour ton sub. Merci pour ton soutien. Ok, 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 ok. Oh, ok. Oh, le Ultimate. Allez, son père. Oh, ça sent l'ultimate à deux balles. Oh, le Q. Spell 2. Oh. Oh. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Quelle horreur. Fuis. Bim. Bim. Oh. Il va me sauter dessus. Non, c'est bon. Saloperie, il s'est barré. Putain, mais il a... Et je lui ai rien fait du tout, genre. Il a full régène. Alors là, si on veut prendre la potion de santé. 2. Oh. Je régénère. Oh, il prend une potion. Qu'est-ce qu'il fait? Oh le bâtard. Je me casse. On va ganker à droite. Right lane, right lane. C'est quoi ça? Ah ouais, là c'est là où on est invisible. Oh, wow. Ah ouais, c'est un gros mob genre Nashor Dragon. Ça fait quelques temps que je te suis via TVOD. Je profite de voir enfin live pour montrer mon soutien à PS son père. Mais merci à Zerxal. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh. Ah merci. Pris. Ok, comment ça marche? À quoi ça sert? Comment? Oh. Et lui il me défonce. Lui, si je l'attaque, je pense qu'il me défonce. Ah ah! Je rigolais! Oh oh! Ah ok. Ah ah! Oh, le cheat! Je cheat! Oh, je suis hors range! Mais il régène à l'infini, c'est ça? Bon, vas-y. Le mec. Ouah, énorme. J'ai cheat. Je cheat, je cheat. Alors, attendez. On y va. Oh là là. Q-spell. Ultimate. Oh, la puissance. On peut cancel. Oh. Oh, j'ai escape. J'ai escape. Je suis un monstre. Par contre, il me poursuit la fin. Oh, j'ai escape. Je suis un monstre. Ah non, non, non. Ah non, non, non. Là, il y a une tour. Hein. Il va me chase sous la tour. Il va tilt, il va chase sous la tour. Le Q-spell, combien de mana? Mana rechargé, carence en mana. Oui, bah oui. Là, de la popo de santé, vite. Il a. Vous avez vu? Comme il a tilté, quoi. Luck. Attends, attends. Ah. Tiens. Aïe, oui, je rigolais. Aïe. Allez. Bon, évidemment, c'est beaucoup mieux de récolter les ambres quand on a un truc qui ramasse les ambres. Une baguette de ramasseur d'ambres. Aïe, aïe, aïe. Oui. Gain de niveau. C'est bon, je le fais, voilà. Bien joué, Muriel. Pourquoi je ramasse pas, là? Ah, il faut que je les lastite, non? Qu'est-ce qu'on m'avait dit? Non, ça les ramasse tout seul au bout d'un moment. Tiens. Boum, 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 boum. Bon, qu'est-ce qu'on peut monter, là? Fardeau, j'ai du mal à. En fait, c'est dommage qu'il n'y ait pas écrit les binds sur les sorts. Parce que là, du coup, fardeau, je sais plus si c'est le Q-spell, le. Ah, si, c'est écrit. Il y a écrit clic gauche. Je suis trop con, putain. Bon, le E, évidemment, le levelera en dernier.
bien évidemment. Bon, j'ai assez régène, ça fait plus boum boum. Hein, ça te force à régène au moins. Ça te force à régène. T'es en mode, allez, je vais faire ça comme ça. Ça ira mieux. Hein, d'accord, ok, ok, ça c'est bon, ça c'est bon. Bon allez, la prochaine game, on va aller jouer avec des gens. Oh là là. Putain, putain. Oh putain, ça a lagué. C'est vrai que la première partie, j'avais lagué, mais là, ça va mieux. Ouais, ouais, à plus. T'es enfermé. Allez, on back. Non, c'est pas ça. Ça auto-loot si tu lastites. Ah, d'accord. Ça auto-loot si je lastite. D'accord. On a combien de points? On a 3 points de carte. Il est temps. Ah, mais du coup, on va garder ça et ça va se recharger chaque fois. Ah, j'avais pas compris. Ça se recharge chaque fois qu'on va à la base. Et c'est des items qu'on a en permanence. D'accord. Et bon, on va monter ça du coup. Ah, oui, du coup, je comprends le principe de. Je comprends le principe de garder l'item war, de garder l'item. Garder l'item popo de mana. En effet. Espace déchiré ou faille cosmique? Faille cosmique, évidemment. Ok, alors là on va refaire un combo sur Rampage et Murdoc. Alors là, vous allez voir. Vous allez voir un truc que vous avez jamais vu. Aïe, 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 j'ai mal. Aïe. Ouais, Q-Spell, viens l'autre. Ulti. Y'a personne. Ah si, il est là. Ah, il m'a défoncé en l'air. Il me défonce en l'air. What the hell is that? Oh. Ah, je meurs, adieu. Oh, 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 oh. Alors là, franchement. Line inhibitors under attack. Non, sérieux. Il m'a défoncé. Point dépensé 1. On peut améliorer les objets? Non. Ah, dommage. On peut améliorer les wards, que ce soit des super wards, des trucs comme ça. C'est vrai, je n'avais jamais vu ça. Ah, mais il m'a. Non, mais attendez. En face, le gros bomb, c'était un moissonneur. Ah, c'était un IA, tu veux dire? Un mercenaire en fait, c'est ça? Il était pas très content le gros truc. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh! Wow. Pourquoi notre Nexus a fait un énorme rayon laser? Mais non, ça c'est pas un moissonneur, ça c'est un Red Rampage. Ah ah! Oh, je le défonce! Non mais alors là, là il est pour moi! Là les deux sont pour moi! Ouais ouais! Vous mourrez pas! Ils vont me défoncer. Prends la popo de santé. Ça régène en même temps. Ça se fait pas couper. Ah, tu vas mourir. Oui. Génial. Attends, j'arrive. J'arrive. Attends moi Michel Robert. Attends, attends. Ok, il y a une tourelle, ça me saoule. Ça m'a saoulé. On va où? Non, on va là-bas. On va gankier là-bas. La lane est trop avancée. Bon, je vais faire un combo. Vous avez jamais vu ça. Vous allez voir. Vous allez voir un Q-Spell into... Attendez, attendez. Attendez, attendez. Là, on prend toutes les potions de santé qu'on a déjà. Oh, il y a des dégâts de chute? On sait pas. Non, il n'y en a pas. C'est bon. Un jeu sans dégâts de chute, c'est un bon jeu. Putain, je suis perdu. Comment on monte? Comment on monte? C'est là, oui. Le truc d'invisibilité. Hop. J'arrive sur Owlzer et Sparrow. Oh putain, ça va être énorme. Salut, monsieur Moustache. Merci à toi. Attends, j'arrive. Voilà, Q-Spell ulti. Je suis un monstre. Alors, Zera, sur ce, je dois y laisser. Je te souhaite une très bonne soirée, une prochaine sur un autre live, amusez-vous bien. Oublie pas un vlog pour les 400k abonnés sur YouTube qui viennent très vite, tu le mérites. Non, non, il n'y aura pas de vlog, non. Merci. Merci, monsieur Moustache, à bientôt. À bientôt. À bientôt. Oh là là! Ouh! Mazette! C'est un ulti ça! C'est pas un ulti, il faut que je joue ce personnage. Murdoc! Mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Casse-toi! Casse-toi! Oh là là, il faut que je joue Murdoc! Oh là là, ils l'ont! Oh, il s'est fait Doomed! Comme il s'est fait Pinette quoi? Faut que je me mette devant comme ça, avec un peu de chance il va me rater. Et oui, parce que du coup, si on fight dans les creeps, c'est trop fort! Et oui! Parce que si on fight dans les creeps. Eh bien, les gens peuvent rater leur cible en fait. Non, mais ce personnage, ça avait l'air pas mal. Ça avait l'air pas mal. Ça sent bon l'ulti. Ouais, ouais, ouais. Ça avait l'air pas mal. Ça avait l'air d'un genre de sniper. Faut voir si c'est un snipe à la Caitlyn, un snipe à la Jean, un snipe à la Lux. Oh, juste, il serait une femme à barbe là, par contre.
Justice reigns from above. Oh putain. Wouah. C'est bon, j'ai escap, soyez pas mad. Me casse. Lui aussi il se casse, regardez. Lui aussi il prévoit. Ouais ouais, t'as vu le Blue Grux là. Le Blue Grux gris là, attendez. Je back. Par contre ça fait un an et demi que tu écorches mon pseudo. Ça se dit Cross Marianne 89. Le nom d'un personnage de manga mais on s'en fout. Écoute, comme disait le philosophe Chabal, we are in France, we speak French. Donc Cross Marianne, ça se dit Cross Marianne, c'est tout. Mais non mais je déconne. Ok Cross Marianne, je sais pas, je vais avoir du mal à m'y faire hein. On s'est appelé comme ça tous les deux depuis très longtemps. Alors ça, ça coûte 7 en amélioration, mais ça fait 22. Et ça, 3, mais ça fait 15, donc c'est bien mieux, évidemment. Après, vous avez vu, les coûts varient. Les coûts varient. Mais ça, c'est 3 améliorations qu'on peut faire à 22, du coup c'est bien mieux. Et c'est meilleur pour l'early game, c'est bien. Bon, évidemment, je ne prends que des améliorations qui boostent les dégâts. Voilà. Là, je sais pas combien j'ai, il m'en reste 1. 1 point. Et ben on y retourne, hein. C'est reparti. Allons-y. Allons-y, allons-y. On continue. Calmez-vous. Bon, cette première game, on va y arriver hein, à finir cette game. 23 minutes déjà de jeu, c'est fou. C'est incroyable. Le temps passe vite quand on s'amuse. Alors. Oh, alors là, par contre. Oh putain, non mais là vous le sentez. Vous savez ce qui va se passer là. Bam. Non. 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 Ulti, connard. Pourquoi c'est ulti pas. Je vous explique pourquoi ça n'a pas ulti. En fait... En fait, moi, dans tous les MOBA, mon R, c'est 4. Donc j'appuyais sur 4 frénétiquement, comme un gogol. Et du coup, ça n'a rien fait du tout. Et du coup, je sais pas ce que j'ai fait. Mais en tout cas, ça n'a pas du tout marché. Voilà. C'est terrible. Vous savez ce qui va se passer? Ah non, je m'attendais pas à ça. Mais non, mais il fallait... En fait, j'allais tuer tout le monde. Par contre, Blue Gadget, sert à rien. Oh là, alors on y retourne. Allié tour détruite. Excellent. Comme les poissons. Alors attendez, on va... On recommence. J'ai toujours pas posé un jalon de vision pour voir comment ça marche. On va le poser... là. Hein. Wow, génial. Ok, calmez le voile par contre. Alors c'est où? Là ils sont là. Regardez, regardez. Attention, Q. Into ulti. Ah. Je les ai pas eu. Si, je les ai eu, c'est bon. Et en plus à côté de la tower. Voilà, c'est un massacre. C'est un massacre. Tiens, vas-y. Va bien mourir. Tiens. Tiens, et Q spell. Et c'est le doublé. Oui. Ouais, c'est de la bombe, bébé. Si t'as le pédigré, ça se reconnaît au débit. Ah, j'ai pris 2 levels. Oui, bon. Oui, bon. Ouais. Voilà. Après, après, on peut tricher au jeu et me one-shot. N'empêche que moi, j'ai tué 2 types. Et lui, il a tué qu'un type. Donc, voilà. Alors, par contre, scandale absolu, je fais doubler... Et je prends même pas un point de carte. Alors ça vraiment, c'est scandaleux. Et lui il est super utile hein. Ça fait 26 minutes qu'il est là. What the fuck. Mais c'est normal. Bon, on est à 6-7-2 comme vous le voyez. C'est pas brillant hein. C'est vraiment pas brillant. C'est insupportable. Là on meurt trop vite. Enfin on meurt trop vite. On meurt trop et on meurt trop longtemps. Du coup on va quitter la partie. C'est moi ou dans ce jeu plus ton perso est gros plus il est fort. Ah bah non, regarde, moi je suis tout maigre. J'ai fait un doublé. Lui il est tout gros, il a fait qu'un seul kill. C'est nul. Franchement, c'est nul, tu trouves pas? Allez, on y va! Non, mais là, on va perdre en fait, en vrai. En vrai, il y a quoi comme score? J'arrive pas trop à me rendre compte de ce qu'il se passe. Ah, on voit la vie des tours sur la minimap, vous avez vu? Ça, c'est vachement bien, ça. Bon concept, ça. Les autres MOBA devraient pomper. On y va. On continue. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait les binds là, sous le truc. Putain, je suis un gogolito. En même temps, ça m'explique pas ce que c'est comme spell. Sauf si on connaît les icônes par cœur, mais ça, on le connaît assez vite, évidemment. Ils vont pas écrire alors fardeau est un con, un sort qui machin en plein milieu du truc. Alors lui. Oh lui par contre, je suis level 11, il est level. Non, je suis level 12, il est level 11. Non. Non, j'en sors. Ah ah. Oh merde, j'ai raté mon spell. J'ai pas envie d'ulti. Oh, je suis ralenti. Oh putain, il y en a un deuxième. Non, c'est bon. Oh non, non, non.
Je la déboîte, mais totalement. Totalement, regardez. Potion de santé. Tiens, tiens, meurs. Tiens, voilà. Putain, quel skill. Trop fort, bordel. Et là, on a des points de carte. Là, je peux vous dire, les points de carte, ça avance et ça s'augmente. Alors, on va essayer de gagner la partie, vous savez quoi. On va essayer de tryhard. On va essayer d'essayer dur. Et on va essayer de jouer comme si on était un... Et pas comme si on découvrait le jeu. Donc là, on va push la tower. Bon, ils sont dans ma base en train de machin le Nexus. Mais si on prend la tower, c'est bon. Voilà. Allez, cette tourelle, les gars, elle est pour nous. Allez, on fait des dégâts considérables, by the way, vous avez vu. 1 Merde. Voilà. Et mes spells font des dégâts à la tourelle. Voilà. Ennemi tour détruite. Après, je vais back à la base. Je vais faire un combo into ulti. Ça va être un massacre. C'est genre un massacre de ouf. Là, on va. Vous savez quoi? On va faire un Q-spell pour push la lane. Et on back. Voilà, on back. Et là, avec ce back, on va faire un ulti. Mais les gars, quand je vous dis un ulti, vous avez jamais vu ça. Merde. Ça craint. J'arrive! C'est une mission pour Zerator StarCraft 2. Salut toi, ça va? Je sais, il y a des gros creeps qui défoncent mon Nexus. Ils vont d'abord tuer lui. Voilà. Maintenant que c'est fait. Mais quoi, Zia Lycor? Et ben qu'est-ce qu'il a? Voilà, c'est bon. Bon. Ça va rien de s'énerver. Alors lui, tout à l'heure, il m'a explosé la gueule. Lui, en duel, il a pas l'air du tout dégueu, là. Holitzer. Oh, au revoir. Non. Non, sors de là. On peut pas eux. Oh, on peut pas eux. On peut pas eux quand on est là-dedans. Ah oui, d'accord. Bonne ambiance. Je vais régène. Point non dépensé, 4. Ah oui, parce que j'ai acheté une upgrade qui coûtait 7. Je suis nul. Non, back pas, enfoiré. Annule. Ah, attends, 3. Y'a pas une amélioration qui coûte 3 là-dedans? Mana avancé. 3, non. Moi, je veux des dégâts. Dégâts, 3. Ah, mais elle est déjà upgradée au max. Oh, quel emmerdement. Bon bah tant pis, on va prendre santé, ça. Mais comment ça? Oui, mais c'est attaqué par des creeps, on s'en fout. Enfin, on s'en fout, on a pas l'air de s'en foutre, mais... Ah ouais, de l'ambre. De l'ombre. Oh, Red Rampage et machin Sparrow. Telgatis, s'abonne à la Zerator TV, salut à toi. Merci beaucoup pour ton subbing. On a un inhib. Merci beaucoup pour ton sub. Red Sparrow, t'es mort. Oh putain. Oh putain! Oh! Oh le tuer! Oui! Non, je suis mort. Pas encore. Voilà. Ça va. Oh putain. J'allais dire ça va carry, mais en fait pas du tout. Mais ça c'est trop fort lui, il est trop fort lui. Est-ce que c'est pas genre un truc où quand on le tape, il régène? Haha, j'arrive! Pas du tout, je rigolais. Non, je rigolais pas. Ah, je rigolais pas apparemment. Je suis trop fort. Je fais de ces dégâts quoi? Oh mon dieu, Tu seras mort avant moi. Tu seras mort avant moi. Si mes alliés daignent faire quelque chose. Tiens. Allez, on se casse. Mais du coup, j'ai pas looté l'ambre. Ah, mais c'est très chiant. Qu'est-ce qu'on peut leveler? L'attaque de base. C'est bon ça. Oh non, de l'autre côté. Red Murdoch, je sais pas quoi. En plus, il m'a pas vu. On t'a fait une proposition alléchante pour bouger en Suisse en été. Va checker ton Facebook. Merci Adrien. Hein? Comment ça, Saxtown? Mais qui se sert de Facebook? Oh mon dieu! Ah! J'ai servi à rien du tout. C'est terrible. Bon, il faut que j'enlève cette carte. Cette carte Ward. Mais j'ai. Ouais, ça va, j'ai 3 points. On va racheter un bâton de source. J'ai tout compris au jeu. Et maintenant que j'ai tout compris au jeu, on perd la game. Non mais vous savez pourquoi? Vous savez ce qui se passe en fait? En gros, le jeu s'est adapté à ma première game. Qu'est-ce qu'ils font là? Bon, j'ai pas encore compris le système de la jungle. Ils ont adapté mon niveau, le niveau des IA à mon niveau de jeu de la première game. Et comme j'ai fait du 18 1 milliard, enfin du, pardon, c'est l'inverse, du 1 milliard 2, et bah du coup ils se sont dit, ce mec est trop fort, mettons des IA plus fortes. Voilà, c'est tout. C'est tout.
Putain, on va lose de ouf. C'est fini. On a perdu. Mais il fallait que je finisse la game pour avoir l'XP. Et bah 30 minutes de game quand même. Alors qu'on s'est fait marcher dessus, hein. Je crois qu'on s'est fait éclater. 17-26. Ouais, 17-26. On s'est pas fait éclater, mais c'était une bonne game, bien snowball par les ennemis. C'est terrible. Les bots non plus ont pas compris. Ouais, exactement. Exactement. Alors on est niveau 3 dans le profil et on est niveau 2 avec Gideon. Donc, révéler le tribut. Waouh. C'est quoi? Ok, j'ai eu un boost. Ok. Rejoignez le combat, niveau 3, mode JCJ débloqué. On va pouvoir jouer avec des gens. Excellent. Qu'est-ce que je voulais faire? On n'a pas de pack de cartes, zut. Non, Gideon, attends, niveau 2. Ah oui, mais ça se fait tout seul. Bah oui, logique, puisqu'il n'y a rien à choisir. Logique, logique. Compétences. Ah, on peut rebinder? Non, c'est juste... Ah ok, c'est les infos en fait. Et est-ce que si on teste, non, si on fait ça? Non, il fait pas les compétences. Bon, j'ai pas encore compris le truc de la jungle, du moissonneur et tout. 4 fois que j'explique, mais tu l'as pas vu malheureusement. Et oui, en fait, le truc, c'est qu'avec les MOBA, c'est qu'on peut... Avec les MOBA comme ça, TPS, un peu nerveux, on peut pas trop lire le chat tout le temps. Et j'avoue que je le lis de temps en temps, mais après, c'est difficile. Mais vas-y, explique-le-moi. N'hésite pas à m'expliquer. Putain, c'est de la bombe. Joue Muriel, elle a un nom trop bien. Joue Muriel, elle a un nom trop bien. Mais il n'y a pas du tout écrit pour débutant. Je suis un débutant. Oh putain. Pourquoi il y en a qui ont de la rage, d'autres de l'esprit, d'autres de la prospérité? J'imagine que c'est l'énergie qu'ils ont. L'esprit, ça doit être la mana peut-être. Je ne sais pas. Alors il y a un truc dans la jungle que tu set up et qui accumule de l'XP tout seul. Tu viens plus tard pour récupérer, mais les ennemis peuvent le faire aussi. Ah d'accord. Ok, ça j'ai compris. Est-ce que les autos passent à travers tes alliés? Oui, il n'y a pas de TK. N'oublie pas tes talents. C'est bon. Normalement, c'est bon, on les a fait. Ah non! Attends. Non, oui, c'est bon. Je crois, non? C'est bon? Boost? Acheter des pièces? Non, pas du tout. Attends. Accueil? Non, je crois que c'est bon. Profil, héros, présentation. Ah ouais, c'est bon. C'est bon. Joue Lux Murdoch. Ah oui, faut qu'on teste Lux. Enfin, Murdoch. C'est quoi Murdoch? C'est ça. Ah mais il a de la rage, ça va être compliqué, on va rien comprendre du tout. Alors c'est pas un mage, du coup ce sera plutôt un assassin. On va essayer. Bon alors attendez. Vous savez ce qu'on va faire? On va faire une solo contre IA juste pour voir ses spells et ensuite on se casse. Et on va faire une game contre les vrais gens. Les vrais gens et peut-être vous les viewers. Incroyable. Ça va être incroyable. Vous allez me massacrer. Je comprends rien du tout. Le truc en face, le gros mob que tu demandais, est-ce que c'était bien un moissonneur? Mais pourquoi il y avait écrit que c'était un joueur si c'était un moissonneur? Je comprends rien du tout. Mais on va comprendre. Vous en faites pas, on va comprendre. Début du match dans 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pourquoi j'ai pas accès à la boutique? Ah oui, non, c'est le temps que les gens rejoignent, j'imagine. Calmez-vous. Rage, esprit et tout, c'est la stat principale du perso. Ok. Deck de départ, Ranger. Ah, excellent. Confirmé. Alors évidemment, on va prendre que les trucs qui font des dégâts comme d'habitude, hein. Baguette tourbillonnante, c'est quoi? Dégâts d'énergie, vitesse d'attaque. Ah ouais, vitesse d'attaque et des dégâts d'énergie, ça c'est bien. On peut en prendre une autre du coup. Et ouais, on peut prendre que des baguettes tourbillonnantes, génial. La nougatine, c'est bon. Ouais, c'est bon, moi j'aime bien aussi. Je trouve ça vraiment, vraiment stylé. Chance de coup critique, ça c'est bien aussi, il en faut. Ah, mais j'ai combien de. J'ai plus d'énergie. Oh, j'aurais dû prendre la chance de critique direct. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire? Chevrotine. Ok, donc une arme, une attaque corps à corps évidemment. Comme une chevrotine classique dans la vie réelle hein, finalement. Piège tactique, piège qui inflige des dégâts. Pardon, il faut que je me mette en mode hors combat. Tir protecteur, atténue les dégâts, confirmé. Blablabla, attaque de base, explosion dévastatrice, longue portée qui permet d'être tiré absolument à travers tout et qui inflige 431 000 dégâts d'énergie. Comment ça? Non, 431,364 points d'énergie. Alors, on y va! Oh putain de merde. La rage, c'est comme le mana. Ah ouais? Oh là là, ça a l'air vraiment plus fort que l'autre! C'est genre. Le mec qui arrive qui a fait deux attaques. Boum! Oh, j'ai raté! En fait, les auto-attaques passent à travers les creeps, je suis un peu con. Ouais. Chevrotine. Bim! 62. Ah oui, du coup, ça fait quand même mal. Mais je sais pas si on le fait plus près. Ah, j'ai oublié d'acheter le. Merde! Le moissonneur d'âme, truc.
Alors c'est la même règle que dans les MOBA, c'est-à-dire que si on attaque sous une tour, on prend l'aggro. J'ai pas l'impression. Ah si, quand même. Lui, il fait peur, lui. Ah, du coup, j'ai pas d'escape avec ce champion. Ah, du coup... Et du coup, adieu. Eh, hey, venez m'aider, là-haut. Je suis archi mort, non? Ouais. On dirait bien. Oh, il m'a laissé tomber. Il m'a laissé tomber. Oh, je vais la voir, je vais la voir. Je tente le tout pour le tout. Oui. Non. Ah, la boule. Il a 2 HP, comme moi. Comme moi, il a 2 HP. Combien on a de points? Il nous faut une clé du moissonneur, c'est obligatoire. Et du coup, j'ai plus que 2 points, mais c'est pas grave. Bon, je pense qu'il faut quand même qu'on prenne ça et ça quand on est débutant, non? C'est quand même mieux. Compétences qu'on prête, calme-toi. Ok, alors maintenant on va aller à droite. On va faire le kill sur Sparrow, d'accord? Le monstre violet que tu as tapé dans la jungle donne un orbe qui donne un buff qui s'appelle le OP buff. Baron Nashor, en gros. La clé permet d'activer ce que tu as vu en face de ce même monstre et au bout d'un moment, tu dois revenir et prendre de l'XP sur le moissonneur. D'accord. Ah, un moissonneur, c'est un rapporteur d'XP. Ouais. Ok. J'ai pigé, je crois. Oh bordel. Meurs. Meurs. Eh oh, dis donc, hein. Ça va bien, oui. Potion de santé. Gain de niveau. Meurs. Meurs. C'était difficile. Qu'est-ce qu'on va faire? Tire protecteur, clic droit. Tire protecteur. Ah ouais, c'est un bouclier. Ok, et 13 secondes de cooldown, d'accord. Ah, c'est pour avancer en chargeant. Oh putain, mais lui me défonce. Ça a l'air pas mal ce personnage là. Sparrow, ça a l'air pas mal. Ça me fait penser à Artemis. Dans Smite. Smite. Aïe. Aïe, aïe. Faire mal. Dégâts de... Dégâts de... 1. Voilà, la salve qui fait masse dégâts. Bon, là je fais ça par exemple. Aïe, oui, aïe, aïe. Et je prends beaucoup moins de dégâts. J'ai compris. Il s'est mis en fufu. Le Q. Ah non, j'aurais dû activer le... J'aurais dû activer le E une fois, comme ça j'aurais un piège. Et là par exemple, j'aurais pu m'en sortir face à ce monstre. J'ai raté. Il faut réussir à l'avoir en l'air. Oh, qu'est-ce qu'il est nul, regardez. Meurs. Et là je l'ai lastide et pourtant j'ai pas eu... Ah si, je les ai eu. Au point de carte. 81 la chevrotine. OP dégâts. OP dégâts. Ça fait pas mal pour bait le bouclier. Genre quelqu'un vous chase et d'un coup vous êtes en mode haha. Et vous êtes deg. Oh, elle m'a raté. Énorme. Niveau 4. On va essayer le E. En piège statique. Alors si je le mets genre là. Ah mais ok, c'est pas genre que quelqu'un passe dessus, ça le déclenche. Et ça fait quoi? Qui inflige après une lenteur pendant 2 secondes. Ah d'accord. Bon, s'ils vont dedans, ils sont ralentis pendant 2 secondes. D'accord, très bien. Pas pendant 2 secondes. Ils sont ralentis s'ils sont dedans, quoi. J'imagine. Ok, j'ai pigé. Génial. Donc là, on fait ça comme ça. Aïe aïe aïe. Oh vas-y, je me suis suicidé dans la tourelle. On voit les mobs qui sont slowés. Donc là, j'ai 3 points de carte. 3 points de carte, évidemment, on va prendre le champ de critique. Logique. Pour un marksman. Oh putain, il est géant lui. C'est Feng Mao. Feng Mao qui est gigantesque. Allons-y. On recommence. On va aller au middle cette fois. Il y a combien? 4-3. Oh, c'est hyper équilibré, vous avez vu ça? T'as un moissonneur à activer à droite de la map. Ouais. À droite de la map. Ah, le petit triangle. Le petit triangle dans un rond. Alors je vais y aller. On va y aller, on va aller voir. On va essayer de comprendre cette histoire, comme ça on aura tout compris. Merde, putain. Je vais essayer d'y aller. Salut, ça va? Je me fais que passer, je voulais juste aller voir le moissonneur. Voilà, c'est pas très grave. Alors on va voir. C'est ça? Eh oui, mais non, parce que ça c'est un gros mob. Qu'est-ce que je fais moi avec ça? Je vais pas aller tuer cet homme? Quand même pas. Qu'est-ce que je fais? Comment faire? What the... Tiens, tiens.
Tiens. Merde. Tiens. 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 Ah. Oh là là. Oh. Merde. Oh, je suis mort de ouf. Il y a trop de creeps. Je me suis battu dans les creeps. Erreur de débutant. Eh hey, mais viens m'aider, on est deux après tout. Quand tu as l'orbe sur toi, les ennemis te voient avec l'orbe et peuvent te pourchasser et te voler l'orbe. Ouais mais d'abord il faut que je tue le gros mob. Et j'imagine impossible de tuer le gros mob tant qu'on est... Enfin là je suis niveau 5, ça pue. D'ailleurs j'ai l'ulti, ça y est. Ah, je vais mourir, je suis mort de ouf. Alors c'est quoi l'ulti? Ok, je vois. Ah non mais non, pas clic droit du coup. Bon, on va tenter l'ultimate pour voir comment ça marche. Avant de mourir peut-être. Oh. Ok, j'ai pigé. Bon bah c'est bien. Regarde la petite tour bleue à gauche, c'est un moissonneur. Ah oui. Alors on va aller voir. Et après on va quitter et on va jouer avec des gens. Après la petite pause, d'accord. Ça marche. On va aller voir cette histoire de moissonneur, les petites tours à gauche. Alors, on va voir. Et du coup, j'imagine que c'est rentable d'y aller si tu me dis ça. Ah, c'est là. Ah non, c'est pas là. C'est là. Ah, c'est là. Comment on active? Merde. Faut juste tirer dessus en fait. Comment ça marche? Je comprends pas. Il faut que je comprenne comment ça marche ce truc. Oui. Je tire dessus. Ah non, faut que j'aille là surtout. C'est tout? Faut que je reste ici peut-être. Oui. Et là il est vide. Parce qu'il a plus de trucs roses. Donc on va essayer d'aller à l'autre pour voir ce qui se passe. Ouais, fallait aller à la plateforme derrière, j'ai l'impression. Allons-y. Plutôt sur la zone derrière. Ouais, j'ai vu. Donc on va essayer d'aller à l'autre pour voir si on a bien compris. Et ensuite, je pense qu'on aura toutes les bases du jeu pour y aller. Ah, lui, il est plein. Lui, il est full. Allons-y. Lop. Voilà. Ah ouais, moissonneur vide. Très bien. Ok, j'ai tout compris. Je suis trop fort. C'est ça? Et alors ça c'est quoi du coup? J'ai pas compris, c'est quoi ces mobs en fait? À quoi servent-ils? À quoi servent ces mobs? C'est juste des mobs de jungle ou ils servent à quelque chose? Bon, alpha content évidemment, donc on verra bien, mais... Est-ce qu'aussi on tire? Est-ce qu'il y a des hitbox différentes, genre si on tire plutôt à la tête ou quoi, ça fait plus de dégâts? Je pense pas, ça m'étonnerait. Ça c'est le red buff. Ah d'accord, ok. Ok d'accord. Ah du coup le red buff c'est cool, donc ça slow et ça dot si je tire après. Ah ouais d'accord. Bonus rouge, dégâts et vitesse augmentée en cas de coup au but. Coup au but. Ça va, j'ai compris. Mon tir protecteur j'aime pas du tout. J'aime pas du tout ce champion, ça me gonfle. Je préférais Gideon, comme prévu. On y va. Ok donc c'est le red buff, très bien. Très bien. Ça donne des buffs, ça marche, on comprend. BIM! Je me suis peut-être un peu emballé. Quoique! Ah merde, il est invisible. Elle est où? Elle est là-bas! On va essayer un truc! Merde, non, je voulais ulti. Casse-toi! J'ai pas assez de mana, merde. Ah, c'est bon. Oh, la back! Non, carence en mana. Aïe! Oh là là! Oh là là, t'es mort! Oh! Il est mort? Non, il est pas mort, mais il a pris la sauce. Il a pris la sauce, évidemment. Après, ça peut être pas mal ce héros pour essayer de faire des. D'élastites. Enfin, je veux dire, d'élastites de champion pour KS, très bien. Super champion pour KS, un bon gameplay. Alors, du coup, est-ce qu'il y a un moyen de voir l'état des moissonneurs avant d'y aller? Je crois pas. Ça m'étonnerait. Aïe! Pas grave, le tout pour la tour. Non. Bon allez. Allez, on quitte ce match qui était avec des IA
Et on va jouer avec des humains, mais tout ça dans quelques instants, mesdames et messieurs. D'accord ? On va vous donner des clés aussi, ça va être formidable. Ok ? Donc voilà.